Voici un booster de cartes Magic The Gathering de l'édition de base 2020, Core Set 2020. Donc ce booster est en version originale, donc les cartes sont en anglais. C'est une édition qui est sortie le 12 juillet 2019 et qui comprend 280 cartes différentes. On va ouvrir ce booster afin de découvrir ces cartes et de quoi est composé justement ce fameux booster. Alors, il faut savoir que les éditions de base ont repris, sortent une fois par an, et ça permet aux nouveaux joueurs d'intégrer le jeu de cartes, de comprendre les mécaniques en ressortant des cartes de base. Voilà, donc on voit le logo Magic 2020, et ça c'est le token, le jeton. Donc on va faire défiler donc ces cartes en version originale. Donc les communes tout d'abord, Inspire Charge. Angelic Gift, Negate, Daybreak Chaplain, Pack Mastiff, Leafkin Druid, Act of Treason, Infuriate, je sais pas si je l'ai bien prononcé, Sanitarium Skeleton. Et on arrive aux une commune. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compté. 4, 5, 6, 7. On a 9 communes. Donc il y a une carte foil dedans. C'est quand on a 10 communes qu'on n'a pas de carte foil. Donc on est gâté. On la découvrira un peu plus tard. Donc Overcome en une commune. Colossus Armor. Armor, pardon. Colossus. Vengeful Warchief. Enfin, maintenant, on arrive à la carte rare. Allez, petit suspense. C'est une blanche. C'est une blanche et... Oh, une mythique! Cavalier of Dawn. Wow. Eh ben... Bon, elle est pas super bien cotée, mais bon. On ouvre une mythique. Alors, on n'a qu'un booster hein, de cette édition sous la main, donc petite précision, quand même une chance d'avoir une mythique. Le terrain, et puis maintenant on arrive à la carte foil. Alors la carte foil, bon, vu qu'on a une mythique, c'est une incolore, et c'est une commune incolore. Anvil Raptor. Donc dans ce booster de l'édition 2020, on a une carte mythique et une carte foil.